En fait, c'est Ambroise Thézenin qui m'a appelé pour me proposer de participer à ce projet qui s'appelait pas encore France Territoire Liquide. J'ai tout de suite eu l'idée de travailler sur les paysages qui étaient au pas de ma porte, si je peux dire. Moi, j'habite à Arles, et donc l'idée, c'était de travailler dans des zones géographiques qui étaient beaucoup plus proches de chez moi que ce que j'avais pu faire auparavant, en fait, dans mes séries précédentes. Au tout départ, j'ai eu l'idée de partir de chez moi, de partir d'Arles, Marseille, cette zone-là, et d'aller jusqu'à la frontière espagnole, jusqu'à aller à Perpignan. Et puis petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que cette zone géographique à arpenter était vraiment trop vaste, et je l'ai réduit progressivement au delta du Rhône. En fait, c'est qu'il fallait que je trouve une certaine unité de paysage pour pouvoir développer une sorte de fiction dans le paysage. Voilà. C'est faire un petit peu en sorte que toutes les images que je prenne dans un territoire donné, un territoire que je me fixe, une sorte d'aire de jeu, on va dire, mais que cette aire de jeu ait une certaine unité pour que toutes les images faites à l'intérieur racontent un petit peu la même histoire. J'ai photographié à la chambre 4-5, c'est vraiment un outil que j'affectionne. Et pour tout un tas de raisons, en fait, pour son rapport à la lenteur, justement, enfin pour le côté contemplatif qu'on peut avoir, puisque poser une chambre 4-5 dans le paysage, la mettre en place, faire son cadre, faire son image, c'est quelque chose qui nécessite du temps. Quand on l'a dans le sac à dos, on la sort pas toutes les 5 minutes, donc vraiment. On choisit de se poser, on regarde les choses, on étudie le terrain, la lumière, etc. Et vraiment, quand on est un petit peu, on se dit, tiens, là, ça vaut le coup, on la sort, on la met en place et on fait l'image éventuellement. Mais disons que c'est vrai que dans mon processus de création, dans mon processus de photographie, je dirais que l'outil, il a vraiment une part importante, en fait. C'est vrai que le choix de travailler à la chambre, y compris pour toutes les lourdeurs que ça implique, moi, m'intéresse. Je trouve des lieux et je me raconte une histoire par rapport à cet endroit-là. Et l'image qui en résulte doit avoir une certaine, un certain côté énigmatique. L'image doit un petit peu résister à la fois au fait d'être reconnaissable, que le lieu soit reconnaissable immédiatement, etc. Et finalement, ce qui est important pour moi, c'est qu'on puisse se raconter une histoire par rapport à cet endroit-là. Il était important pour moi, en fait, qu'on puisse se dire finalement ces images, elles pourraient être faites n'importe où. C'est-à-dire que quand on prend chacune des images, on sait pas vraiment localiser l'endroit où elles ont été prises, etc. Souvent, c'est des détails, c'est des choses qui sont posées au sol, c'est des traces, c'est un buisson, parfois. Des fois, une sculpture de bord de route qui est abandonnée, c'est des choses comme ça. Mais toutes ces images mises bout à bout, à la fois elles créent des fictions et en même temps, j'espère qu'elles donnent à rendre compte une certaine vérité des lieux. Être photographe en 2015-2016, et c'était déjà le cas, je pense, en 2011-2012, quand j'ai commencé à faire cette série, c'est d'abord se poser la question de son rôle en tant que producteur d'images. Et qu'est-ce que ça veut dire de produire des images aujourd'hui? Et je crois que c'est d'abord se mettre en retrait de cette production de visuels ou d'images de masse, en fait. Voilà. Et ça veut dire que
Voilà, quand je livre ou quand je délivre une nouvelle image, il faut qu'elle soit, pour moi, il faut qu'elle soit nécessaire dans une série ou dans un travail, ou qu'elle soit, qu'on se soit posé la question de cette image-là particulièrement. Voilà. Et en ça, c'est presque une conscience écologique, écologiste de l'image. C'est dire, voilà, si on produit un flux ou un torrent d'images comme on peut voir sur Instagram, Facebook, etc., on participe finalement de cette saturation visuelle, en fait. Et voilà, pour moi, il faut d'abord, il faut avoir conscience de ça, déjà, et être capable de faire un pas de côté, encore une fois, de s'extraire un petit peu de ça et délivrer des images avec parcimonie. Et quand on est dans cette économie-là de l'image, à ce moment-là, on peut apporter du sens par rapport au réel. Et c'est ça qui est, moi, je pense vraiment, enfin, que j'essaie d'avoir en tout cas conscience quand je produis mes images et mon travail, c'est vraiment, voilà, c'est que c'est de produire des images avec parcimonie. J'ai beaucoup photographié dans des zones, dans des terrains vagues, dans des zones industrielles un peu abandonnées, dans des zones de relégation, on va dire. Pour moi, c'est important parce que c'est pas simplement des zones entre deux, c'est pas simplement des zones d'abandon, mais c'est aussi des espaces de liberté. Et des espaces de liberté, il y en a de moins en moins finalement dans notre paysage. C'est marrant de voir comment on crée par exemple des dispositifs anti-Rome à l'entrée des champs, par exemple. Tu vois, comment on met des rochers devant les accès aux bois, aux forêts, aux choses comme ça, enfin, voilà, où on ne peut plus accéder en voiture dans plein d'endroits. C'est intéressant de noter que j'ai voulu retourner dans pas mal de lieux que j'ai photographiés en 2011, 2012. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de retrouver des endroits fermés par des barrières, des grillages, et que des endroits dans lesquels j'ai pu circuler librement sont aujourd'hui impossibles d'accès. Vraiment, aujourd'hui, on ferme l'accès à tout un tas d'endroits, etc. Et ce qui était libre d'accès, ce qui était délaissé, est aujourd'hui refermé. Et donc j'essaie de me balader dans les endroits où on est encore libre de le faire sans contrainte. Je crois que c'est bon. Le plan film. La chambre est là, non? Alors attends, la chambre, les trépieds sont là, là j'en touche un. Le plan film sont chargés. Non mais écoute, voilà. C'est là, ça me semble tellement simple. J'ai l'impression de quelque chose. Et ben, c'est parti. Hop.